Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction Grand Format. Réaction, c'est une tranche de contact pro-live où nous réagissons sur les sujets brûlants de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre 2023, à 8 jours de la fin de la campagne électorale et à 9 jours justement où nous allons aller aux urnes pour se choisir les nouveaux dirigeants, où nous allons maintenir ceux qui sont là. Et donc, Lelo Ezali Penza, réaction au Tokolobela, mingi mingi sur premier point, nous allons parler de ces élections elles-mêmes, dans son entièreté. Nakati kuna tokoyebi sabino. Pourquoi est-ce que Batubaza a alimenté discours au rapport à l'élection? Comme vous l'avez lu dans le titre, à qui ça va profiter? Est-ce que c'est à Tshisekedi ou est-ce au peuple congolais qui n'iront pas au vote? Et ce qui est qui va pousser en haut? Est-ce que Kosalema ou Kosalema? Deuxième chose que nous allons parler aujourd'hui, Nakati Elo Konabiso, ou na émission Nabiso Ezali, le discours au candidat va commis à tenir. Na ba meeting na bango parce que awa toza na deuxième phase ou bien toza na phase oyo ya détermination, c'est-à-dire que phase oyo eza phase ya suka po ba s'exprimer ba discours est comme une attaque personnelle qui est congolais qui ne le pas. Est-ce que discours wana eza lisusu ya kotenir à ce moment-ci ou tozo kende po ba pona tozo mona pe ba circulation ba mbongo na Bukavu kuna ba ati ya kaboli mbongo lokola nguba. Awa na Afrique du Sud tomona ki ba combattants ya IDPS ba gangi ba lobi mbongo ezali te tout ça, nous allons en parler. Avant d'aller un peu plus loin na kosenga nanu na bino nyoso awa vraiment bosali bo pesinga ye sengo mingi. Vous m'aviez vraiment valorisé parce que ba vidéo na biso est commis partout. Nous commençons un peu à voir nos vidéos à naba place oyo nga nakokai komona yango te. Je vais vous rappeler une chose, bande konangai. Je n'ai pas une couleur politique jusque-là. Mais je suis du côté de la population, je suis du côté du peuple congolais. Nakolobela makambo oyo ezali juste oyo nga naza komona ke mboka na biso ekende liboso. Je ne fais aucun faveur na mutu songolo ou na parti politique songolo, jamais. Donc si vous êtes encore là, pona kokanisa kenga na za côté moko boete wana mise en point na tosa to tiango nanu, mais aussi nazo senga na bino bo s'abonner nanu na chaîne na biso. Continuez à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour que tango tozo tia ba émission na net bozala ka averti. Donc c'est un peu ça quoi mise en point na ngaki na sala. Vraiment continuez à vous abonner. Pourquoi vous devez vous abonner? Parce que effectivement ceux qui bo s'abonner valeur o esengo oyo naza nango naza komona ke non nazo prêcher dans le désert et naza komona ke naza na audience mutu na mutu soki aza ko s'abonner na yebi ke tango nazo loba naza ko s'adresser personnellement na oyo mutu s'abonner ki c'est comme cela nde support o bon bino bokoki ko pesa ngai awa na contact pro live. Je vous annonce encore aussi pour l'année prochaine une grande émission tokobanda ko sala ko za la réflexion ko za la dès que le 1er janvier, nous allons entrer dans la phase, il y a 5 ans, nous allons réfléchir sur la marche de notre pays, comme nous l'avons fait en 2019. En 2019, tant que Félix Abimi, Mbalamoko, nous avions commencé à apporter nos réflexions. Qui peut, ma réflexion, ni auto-apporter qui. Nous avions apporté la réflexion de la reconstruction du pays par la base, c'est-à-dire nana le projet à 145 territoires. Nous avions commencé à parler de ça dès 2020. Bozo monake, toza quand même nanzela. Nous avions dit au président Félix, kolanda makambu boye boyete, mettez des projets à impact. Nous sommes opposés au projet de 100 jours où il y a fabrication, il y a maison préfabriquée. Nous sommes opposés à ce projet-là. Pourquoi? Parce que tolobaga ke projet na ekopé sabana Congo misalate. Vous connaissez les conséquences. Donc, na 2024, dès janvier, toza kom bimise nani
Donc, to kende na tranche moko oye kozwa biso, je crois à peu près, 6 mois, 7 mois, où nous allons réfléchir sur la bonne marche. On ne gagne tozo kanisela kembo kanabiso et oye kende liboso. Alors, ça sera appelé réflexion. Donc, c'est pour cela que nazako eb sabino, bon s'abonner awa, parce que tranche wana e kubanda, to kubanda kolobela sur toutes les actions que va prendre le gouvernement et ce que nous pensons. Quels sont les projets qu'il faut imminemment mettre en place pour que stabilité côté nambo kanabiso. Alors, toko tasiko na mozindo ya sujet nabiso ba élection bandeko. Vous êtes sans ignorer que batu ebele bazako sala bazako lobela ba journaliste ebele bazako loba ba élection kozala te ba élection kozala te oh batu msusu oh ba élection kozala ba élection kozala te. Mais à qui profite ce qui ba élection zalité? Il m'a même été posé la question de savoir est-ce que yo au banzi penza que ba élection kozala na ba space moko o tozala ki na kati nga na lobaki boy. Moi je me fie à la personne qui nous rassure que les élections auront lieu, c'est-à-dire Denis Kadima, l'organisateur de ces élections là. Malgré que azako lobaki ba koko so ezali, mais il continue à nous affirmer et à continuer à nous confirmer que non, le 20 oyo dans 9 jours awa toko kende na maponami. Mais pourquoi douter de ce monsieur-là qui est en charge avec tous? Il n'a pas encore dit, malgré les difficultés, c'est pour cela que j'ai dit même, moi j'apprécie le courage de Kadima. Face à toutes ces menaces, face à toutes les difficultés que Azako Kenenango, mais il est serein. Azako Loba, non, bon préparer maponami et Kozala. Toko glisser te. Et moi j'ai répondu que il n'est pas bon, il y a qu'au glisser. Donc, moi, je pense, je donne crédit à Kadima, à moins qu'il nous dise le contraire. Mais nous continuons à le supporter, il y a qu'au loba. Kadima, kende kosali sa ba élection, wana ba élection, wana isa la kiboudi, kiboudi, ou quoi que ce soit, les élections doivent avoir lieu. Pourquoi je dis ça? Ce qui ba élection, zali te bandeko. Conséquence, c'est ça, nini. Conséquence, c'est ça, que toko mi na, koko ma na étape, moko ke, président za légitime te. Rappelez-vous, il y a 2016, tokoma ki sikoyo, oh non, ba élection kozalate, comment on va faire, et kokoma ba dialogue, ba biloko, ba partage ba pouvoir, et puis ba partage ba pouvoir, wana, et ko souka na ndenge moko amabe, pourquoi? Parce que biso ba Congolais toyo kanakate. On ne s'entend pas. Même ceux qui t'ont lobby, le dialogue est à la Kenan, Batumsou Bazolo, article 64. Qui va diriger cette révolution populaire? Nani Ekozala na Mutuya Nani? Qui peut maîtriser cette population congolaise à Kolobano? Tosto Bengana Félix, Nandeng na article 64 ou 63. Nani Angwa a comme Mabilo, qu'on a pas à imposer le Batumsou Bazolo, Makambu Bazako, Koye Bate. Il parle, on dit, bon, l'article 63, ça sera appliqué, tout ça. Oui, mais la révolution a quand même des têtes. Qui va mener ces têtes-là de la révolution? Est-ce que ça va candidat président de la République à l'élo? D'ailleurs, dans beaucoup de ces partis politiques, bah, Koko Sopez Ali, est-ce que Kozala UDPS? Est-ce que Kozala Ensemble? Est-ce que Kozala SUD? Il y a Martin Fayoulou. Est-ce que Kozala nani ango comme ma révolution pour peuple? Peuple a kobima na balabala boete, mais il faudrait qu'il y ait une certaine ordre. Même en tant que ko évoquer likambo à Mali, oh, ba côté kuna, ba coup d'état zalaki, ça va à l'avantage de qui? Est-ce que dans notre propre armée, tozana armée moko o républicaine o et yebani ki non armée ango? Regardez maintenant Félix, comment il a commencé à entretenir le discours à Wazalendo. Oh, Wazalendo, Bazaba, ba patriote, tout ça. Est-ce que c'est légal, ça? Est-ce que Félix a vraiment un moyen de maîtriser ba garçon, ana ba trop, Bazaba, kendaka, sans loi, sans que ce soit? La communauté internationale a lobby ba toana, Bazaba, force négative. Et puis, il se contente à lobby dans les tribunes à Koloba, que non, Wazalendo, Bazako se battre pour Mboka na Bango. Non, mon frère! Nous sommes en train d'aller dans les normes qui ne sont pas légales dans la direction Bamboka. C'est ça le grand problème, c'est ce que nous disons. Ce qui toque dans l'article 64, on a tout chassé Tshisekedi. Et voilà où nous allons encore retomber dans l'invention, il y a une armée étrangère. Pays Mokobo et Goïko Lobabo, que je profite pour aller placer quelqu'un là-bas. Et là, nous avons le M23 qui est
qui est capable, qui est prêt et qui est supporté par les Rwandais, et nous le savons. Bakoki ko bandela eloko msusu neti eloko ya, comment on dirait, ya AFDL. Ils vont supporter les M23 bako tiamando ki kuna balobi ok ndenge désordres ali awa. Nous en profitons jusqu'à aller à Kinshasa. L'AFDL a fait ça. AFDL est outil ce qui kunde kote aminembo kuna tiba kenda ba envahisaka. Nous serons à la merci de ceux qui sont des ennemis de ce pays. C'est pour cela que ngana loba ki ke il faut absolument que ba élection ezala. Pour maintenir notre pays comme pays et que tous ala na eloko mtu ce qui to voter Tshisekedi to voter kaka ce qui moyen ezali mais que les élections ezala et que cet langage là langage on a ko tia ba doute na kati ya ba peuple congolais. Moi je ne pense pas que ezako favoriser mboka na biso, ça ne nous favorise pas, ça continue à nous tuer. N'alimentons pas ce discours là croyons à Kadima, donnez-lui le sa porte union soit singulière ami pour à organiser ba élection. Qu'importe les résultats qui seront là, mais que nous soyons quand même rassurés que ba élection est là qui et que notre pays reste encore dans cette optique à cause là. Mboka ezali batu bazali, mboka ezali batu baponana qui soki baponana qui mabe ou quoi que ce soit, mais il y a eu quand même des élections, il y a quelqu'un qui à qui il peut dire quelque chose à la population, boza la calme, ba toko bongisa boy. Élection, il faut ezala. Donc, ici, pour conclure ce sujet, ici, il y a incertitude à l'élection. Moi, je demanderai au peuple congolais, Nabino Nyon, surtout, au Bolanda Kangai, Tolongola, discours, on a un doute. Oh non, est-ce que l'élection est kozala? Est-ce que kozala te? Oh boy, boy, oh. Tolongola, discours, balobawana. Ayons confiance, faisons confiance, même si elles seront fausses, mais. Pour maintenir, pour le bien de notre pays, moi je pense que les élections doivent avoir lieu. Ezalamabe, mais que les élections aient lieu. Moi, dans ma bouche, je ne mettrai pas en doute, je ne vous mettrai pas en doute, nakoti a doute, parce que Kadima n'a pas encore dit que non, Aza n'a pas difficulté. Bien sûr, Aza a lobby n'a noté que reportage à l'élection Kozalate. Report à l'élection, Aza n'a monokona été, il nous a rassurés. Il faut lui donner confiance à ce que token de na ba election. Ça sera pour le bien de notre pays et kozala pona ko consolider mboka na biso toyokana até kozwa mo ata 5 ans au eleki, mais que nous ayons un pays où qui peut être semblable à un pays, mais à la pays mo koza la désordre té armé mo ko étrangère M23 ya ko profiter na mobulu eza na Congo ba soki bol bota la boy soki ba election zalité. Batou na batou, quelqu'un peut se réveiller, ba rébellion ko kiko uta place nyonsonya akokende wapi batou na nyonso ba okende ko sa ko luka sa porte na ba armée étrangère. C'est ainsi na angle wana M23 azali na position soki élection azalité. Rassurez-vous que Rwanda ko profiter na ngo très bien encore à quoi armée sous M23 au komona faire de scène abisso ko zala kiolela. Bakozwa Goma, bake bazui Bukavu, eko kendende wana, parce que mutuaza tezambo kamo keza na mutute. Nani angwa ko dirige sou Congo? Far de se na biso eza kibudi kibudi tout ça, et vous savez que far de se na biso eza infiltré. Donc, conséquence ba élection zalate, ça risque de donner encore beaucoup plus de force na batua M23. C'est comme ça que nous disons, il faut absolument que ba élection zala. Na muno konabiso. Ce qui toko defa mbongo pour que babilo kwana, parce que ce qui alimente ces doutes là bazako se fier na ba maloba o kadima na ba lettre o kadima komaki ya lobino azangi ba Antonov azangi ba envio poda ko dispatcher ba ma matériel wana. Qui vous dit que même un candidat ne peut pas financer ces histoires là parce que bazana mbongo? Mais nous approchons petit à petit du chaos ezali nini soki ba élection ezali te. C'est comme ça que tokanga minoko na biso tope sa kadima miso toze la kadima organisé ba élection na ndenge za koloba le 20 ba élection na kozala ezala biso kaka ba population na ba parti politique mususu to se préparer pour na tricherie à koloba ke non voici les résultats que nous pensons et ba résultat solo yango to kenda ki na ba bureau de vote oyo tiaki soki kozala kaka na ba grand centre kozala bo o koleka aleka
Mais que l'élection zalate, moi en tout cas dans ma bouche, je ne veux pas supporter cette option-là. Alors, l'ikamusu soto yami balé otozo landela, ezaba discours justement na l'ikambouaba campagne électorale n'engezo kendele. Bandeko, pour l'instant, moi je crois campagne électorale, naba discours yaba leader au bazako sala ba campagne, le discours a totalement changé. Le discours a totalement changé. On ne va plus dans l'essentiel. Ezali Kambulusu y a expliqué projet à société, mais comme mingi ba attaque personnelle. Oh yo sala ki boy, yo za crédible te, yo boy. On oublie qu'il faut ko pesa vision ya malamu pour na Congo. Expliquer au peuple congolais. Voici mon bilan. Bandeko, pourquoi na yeli susu pona senga deuxième mandat? Est-ce que Zak est parce que Katumbi est là qui a gagné pour un deuxième mandat? Est-ce que c'est parce que Fayulu Alingazo a bokonzinde na yanga na sengi deuxième mandat? Té, expliquez pourquoi. Ba réalisation na yo oyo pendant 5 ans ala ki boy kokosoni ni okuta na kinango bo pesa ngali susu confiance na silisa insécurité na est na projet ko silisa yango oyo. Et comme kaka o ba rwandais o ba étranger o boy o bazali boy o bango ba sala boy d'ailleurs passeport congolais passeport zambien tout ça ba discussion na eza inutile eza na place te na tango o ya ko sala campagne campagne zali bongai ba o bazokota bazaku il faut ba loba ke non ce n'est pas le ya ko atakaka président Félix que non atanga te ba biloko non te eza nango a côté. Bolo ba toko pesa bino courant ndenge nini toko tongela babala bile bala na bino ndenge nini comment nous allons réorganiser cet état là ngana banzi ke discours wana ndeza ko ezako stand ezako telemela batu nyoso tuba koloba bino batu oboza kokota boko sala différemment na tshiseke di ndenge nini expliquer mal kambwana na kati ya ba campagne na bino bo expliquer peuple que soki bozangi babalabala awa voilà corruption zalaki na tel boy voilà problème otoza na ngweza désorganisation voilà constitution des amalamute voilà vous donnez les raisons oza ko pousser bino ke bolingi bozwa bokonzi po bobongisa mboka boya kozwa bokonzi na ndenge mu makambo zo sale malelo oyo boko sala la même chose que Tshisekedi même si tu as étudié comment okokuta na opposition au parlement okokuta na ba premier ministre kozala koko sopozwa ye tout ça consolider votre discours au niveau ya ba campagne na bino pour que dès que bokozala na bokonzi bobandi ko appliquer ba projet na bino o boyebisa ki peuple parce que peuple va vous juger après 5 ans na ba na biloko boza kolobela na bango soki comme sous na 2028 que non courant zala kite olobaki kokotia courant awa olobaki kokotongela biso ba balabala tomoni ke yo pe okomi ko s'enrichir yo moko tomoni ke batu na yo nde mutu bakomi ko yiba pe ba mongo zo kanga bangote tomoni ke batu ba yiba batu ba eloko moko esalamate ils vont te juger sur ce discours là. C'est ça le grand problème que nous avons dans le discours. Oh, y a leader Nabiso. Tozo mona même na kotia la bino ka moi image moko. Député moko akomi ko même abilo ko na mutu. Na kati kuna kote ba butembo kuna komi ko même la ba population la butu pourquoi? Parce que tout le monde veut entrer. Mutu nyoso to akomi ko mona ke no soki to koti na ndenge ya désordre. Oh, comment je vais profiter ça? Entre parenthèses nanu. Likambu oyo batu ozoka ba voice oh non boy Tshisekedi aleka ngai boy la plupart de ces gens là ce sont ceux qui profitent de ces désordres du pays bandeko kodeko et telemela batu kuna pona nini c'est parce qu'il y a du désordre mutu nyoso to akomi soki nga mutu na simbi mandoki kare mini ekomi ngai. Regardez comment est-ce que M23 sali makasi po akende ko récupérer makambo a Rubaya ba moto ezako même mena ba minere na kati ya ba désordre oyo mais soki ordre koti gouvernement moko ya bien faire de ces telemeli sécurité à malamu ezali ces minere là vont profiter à la République démocratique du Congo mais si ko tozako perdre belé ba millions na ba millions ezako za la perdi. Alors na kangi parenthèse wana parce que na linga na bosa na yango lisusu batu oyo baza koloba makambu ya ba passeport makambu ya nationalité ça ce sont des discours pratiquement platoniques eza ba discours révolus
eloko wana ekokaki kozala bien traité lorsque te seni examina ki ba candidature ya batuke o aza étranger o aza congolais o en tout cas to douter na ye o mais la seni a tranché. La Cour constitutionnelle a confirmé les résultats à Seni et puis à l'obi, bon, batounyo, surtout bakende. Voilà le grand problème. Voilà le grand problème que Tokolobe Lakango peut na réflexion l'année prochaine. Autorité à l'été zalité. Personne ne veut prendre la responsabilité à débâcle en bon cannabiso. Personne. Ni même les personnalités de la Cour constitutionnelle, eux qui devraient se mettre en avant à l'obi, te koko sezana ba candidature pour te permettre en goté. Mais ils n'ont pas fait. Nous avons faible. Donc, to sali etan abiso, très faible encore, ezana autorité. Nani angwa ko banga sous Cour constitutionnelle? Nani? Nani angwa ko banga Cour constitutionnelle à la koloba ke non, Cour constitutionnelle soka l'obi bo esili? Parce que la résolution au cours constitutionnel à Salaki, à Pesaki, le peuple s'est senti maintenant, comme il faut discuter. Oh non, yo aza mopaya. Même le candidat est Pessi de Soussou. Le grand problème est l'identité congolaise et Bimi. Namino kwa batu nyon surtout. Or, c'est la Cour constitutionnelle qui devrait trancher à Kolobato, terre et lokwana, étranger à Zalité. Nandengalo bakiwana toter likamwana respecto quand même la Cour constitutionnelle au lieu to kende kobanda koloba oh te yaza mopaya. Comment nous allons taire cette histoire là tokotere lokwana ndengenini c'est en mettant cette autorité de l'État ya koloba l'État na biso qui est institution cour constitutionnelle oh et ça la kamakambo ya mboka mibeko ya mboka soki asia lobby a lobby tokokai kobanga yango. La Cour constitutionnelle devrait être un garde-fou. Donc, bangonde mutufale bazala katisiko, donc mutute ko contredire. Mais le discours fayaba kezalinine parce que les gens, la population qui attendait à voir cette Cour constitutionnelle se mettre debout en disant toi tu es un étranger, toi tu n'es pas congolais, toi tu n'as pas réussi à atteindre le seuil à cause de la candidat. Bon, à Kokoso, boy, Kokoso, décision si kweyi. Décision kweyi à Kananbo, Kanabiso, et l'eau que ça les makate. Batouba Ibaka, justice est comme inango qui yole la nengwana. Yangwana biso tozo lo baboye, ba discours wana yako finga na po ba électorat. Maintenant, ce qui importe beaucoup, ezaka ba attaque personnelle po gagner. Oh, wana mtu ba Rwandais, oh mtu ba étranger, oh candidat wana, oh boye boye. Est-ce que yako sala boye, ya azali, azana mwasi te, oh mwasi na evde. Tout ça, ce sont des discours de caniveaux au Lobatouba, comme au Lobanango, dans la place publique. Et puis, on alimente ça dans les réseaux sociaux. Finalement, Congolais, comme ils ont mis tout dans le bimé. Qui va sauver ce Congo? Congo, oh, on a un angoa qui sauve Ango. Bandeko, on a rappelé la cabine toujours. Ah, on a lobby. Congo, oh, on a un sauve Ango, ça moutou mon côté. Ce n'est pas Katumbi qui viendra sauver ce Congo. Et ça, bino moko ba Congolais, on a un angoa sauve Congo, oh. Mutu oboza ko choisir eza mutu ako mitia sima ya kolobake non to sala musala ensemble mutu moko te koyela bino musala. Le respect de la constitution devra être accepté par tout congolais. Constitution na biso lobini ni bandeko président o aza élu soki aza na majorité na parlement ako zala na moi aisance ya ko choisir batuna ya ko sala nae mais na ndenge otozo kende ba ki par exemple ke ba toi IDPS beaucoup ont été diabolisés et donc l'IDPS n'aura pas la majorité au parlement et ko zala ka peneti na 2018 wana donc le respect même de la constitution et ko zala kutu et ko zala te. Et qu'on a la souzouka kaba considérable, ce qui Félix Aleki, à quoi y'a qu'on a la même souzou na problème et à FCC cash, il va trouver parti ni n'angweza na batwebele pour ba kota baza la nasimanae. Le convaincre, ça ne sera pas facile. Et c'est ce moment-là que makambo mbongo, ba tricherie, corruption, kokota, tout ça, ba yibi mbongo koto, ba salio, ba promettre, ba député boya, ba to former union sacrée. Voilà encore le risque otoza koko courir, poto zonga lisusu na point de départ, oyo, mokonzi, o aza ko dirige biso, aza na majorité na parlement te. Pona nini? Félix Tshisekedi azali candidat indépendant.
Bien sûr, toi biba député na été, est-ce que batuba ko traverser? On va encore le mettre na quoi à ringa koloba pesa bisombongo. C'est ça que les gens sont en train de forcer pour ba kota kuna. Pour ba yebika ka soki Félix aza na majorité te ou bien soki IDPS aza na majorité ya ba parlementaire te. A qu'on négocie na batu mususu. Les négociations en République démocratique du Congo, ça signifie que il faut nourrir ces gens-là. Pesa bango mbongo. Bakati saba koma na inyo sakre na yo. Ça va se répéter. Mais s'il était, par exemple, il était candidat au IDPS, parce que bota la ba drapeau au place nyo soto azokende. Est-ce que bozo mona ba drapeau au IDPS? Ce qui IDPS a zwa ki alobi, nous allons imposer le président de la République et que toko gagne ba élection oyo. Toko kai komo na yango. Et c'est ça, moi, je pense que l'erreur que le président Félix a commis, il a fallu qu'il se définisse alobi. Ngai parti politique nangai ezali nini ezali IDPS. Alors travaillons sur que pour que IDPS ait gagné majorité na parlement pour que tozala na moi facilité à conformer gouvernement tout ça à contrôler pays, mais IDPS n'a pas le monopole. Est-ce qu'ensemble là ça risque de basculer dans ce sens-là? Ensemble pour la République à Moïse Katumbi, ils sont très très bien organisés et ils savent. Et là, comme on a dit, que pour diriger ce pays, il faut que les députés soient moins belés. Vous avez vu, je vous ai dit ici, Baati commence encore à utiliser ce même méthode à couper sa kabatumbongo, va voter, il va voter, Tshisekedi, tout ça. Ça, c'est de la tricherie. Et ça, malamouté. Et donc, pour la construction, il y a un discours à un candidat, et ça, l'indéngouana. Ba candidat va se tremper na ba makambo ya balabala parce qu'il pense que les électeurs sont dans la rue et qu'ils n'ont aucun mot à dire. Bandeko, comme je vous avais dit, toko suka wa lelo réaction na ngai nde zalaki yango na pona ba discours na comment est-ce que risque ba élection kozala na kozo na zo rappeler bino lisusu eloko moko toza awa tozo sala makasi. Nous faisons un effort à vous expliquer tout ce qui se passe. C'est pour cela que mona kike régulièrement tena contact pro life parce que contact pro life ezali toujours réfléchir sur la bonne marche. Il y a pays et comment est-ce que ma constitution ezali qu'on s'appliquer tout ça. Mais pour l'instant avec les 8 jours ici tokokendeka na ba réaction grand format comment est-ce que nous réfléchissons sur les situations actuelles et ce qui se passe sur terrain. Donc bozala na ekenge na tango bozo kende. Votu bie tango bozo kende koyoka ba candidat na bino. Choisissez utile, réfléchissez pour vos 5 ans à venir. Eza à venir ya bana na bino dans les 5 ans qui vont venir. Eza bino moko nde mutu boko définir yango. Soki bo pesi ba voix na bino et pas mutu moko oya ko rassurer bino te et tali bino. Soki toko continuer ka na ndenge ya kimoibi na ndenge ya kibulu yeke ordre za na mboka te et tali bino. Moi, je donne ma langue au chat, je vous ai averti. Choisissez utile. Batubozala, nako, kondima, ke, élection oyo, il faut ezala. Voilà, mes chers amis, nous arrêtons là-bas. En espérant que vous vous êtes abonnés encore une fois de plus. On revient peut-être demain encore une fois de plus parce que l'actualité, ezako évolue ma case. Et nabiso, tozako pousser ma réflexion, nabiso, juste na actualité, pour te recadrer certaines personnes. Na lingi ko kende mingi na ba détails te ko la xabino ba vidéo yo ya lobi bo te réfléchissons mituna bito mituna biso e fwe salaka. Il faut que mituna biso e sala. Alors, avant de terminer, bo s'abonner lisusu, abonnez-vous encore une fois de plus. So ko za abonné te partagez ba émission pour que idée oyo e panzana na mutu nyoso. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.